Hey, on est mardi 6. J'ai pris mon petit déjeuner comme vous avez pu le voir. J'ai fait ma petite routine ménage. Maintenant, je passe à la douche, lavage de dents, habillage, faire les choses comme ça. Et je me suis dit du coup que j'allais vous prendre un petit peu avec moi dans la salle de bain pour vous montrer ma petite routine actuelle. Première chose, lavage de dents. Une fois que les quenottes sont lavées, un petit coup de Listerine, puisque j'ai toujours ma dent qui est à moitié cassée. Impossible de trouver un dentiste. Je ne sais pas où on va, mais de toute façon, on ne va plus pouvoir se soigner, arriver à ce stade-là. Listerine. Bon. Voilà. Bon, maintenant que ça c'est fait, direction la douche. En sachant que ce matin, il faut que je me lave les cheveux. En ce moment, ben, à force de mettre des bonnets, il fait super froid, et ben, les cheveux, je trouve qu'ils regressent beaucoup plus vite, c'est pas terrible. La douche, donc là, je me suis lavé les cheveux, et je me les lave avec un shampoing solide de chez Naturebox, cheveux abîmés et cassants. Celui-là, à l'avocat, huile d'avocat pressée à froid, bon, rien à redire, très bien. Ensuite, j'ai... toujours mon savon solide de chez Pachamamaï. De temps en temps, j'alterne avec une gelée de douche fruit de la passion chez Lovea, qui sent trop trop bon. Pour le nettoyage intime, j'ai toujours l'énergie fruit bio, en sachant que ça, je ne le fais pas tous les jours. Sous la douche. Maintenant, je vais finir au moins de m'habiller, puis je m'occuperai de mes cheveux, donc on se retrouve à ce moment-là. Comme il fait froid, en ce moment, j'hydrate au max tout ce que je peux, surtout que là, je commence à avoir des plaques, même en hydratant, des plaques de sécheresse. Toujours mon aloe vera, du gel natif de chez Mademoiselle Bio. Généralement, je fais le combo avec une huile corps irrésistible, c'est celle-là, de chez Lafarge 1789. Comme celle-là n'a pas beaucoup d'odeur, ça passe. Donc j'ai ça. J'ai plein de crèmes pour le corps. J'ai ça que je vais mettre sur les jambes aussi. Donc j'ai ce qu'il faut. Et je vais me oindre complètement. Côté déo, je suis toujours sur mes déodorants chouchou de chez Aquarel. Toujours. Oh, ça sent agréable. Il sent pas trop fort. Il est super doux. Bref, agréable. Et en ce moment, j'aime bien me remettre, j'ai ça depuis quelques temps, parfum, alors je vous montre, parfum de lumière, huile de parfum, et ça vient de chez Les Essentiels, et ça sent un petit peu l'ambre et tout ça, et en fait je m'en mets là, comme c'est une petite huile, je m'en passe là. Et j'aime bien m'en mettre un tout petit peu là. C'est une odeur, celle-là. Mais elle me fait du bien, elle m'apaise. Donc j'aime bien l'avoir là, parce que pareil, par exemple, si je vais faire une sieste, souvent je remonte mes mains et j'ai cette petite odeur qui vient, ça m'apaise, ça me fait du bien. Moi, non, ce n'est pas vrai, je ne suis pas bizarre. Donc maintenant, je vais m'habiller et après, je vais m'occuper de ma face. Habillée, on va passer à eau crème pour le visage. Donc, je finis ma petite crème Marilou anti-âge, là. Marilou bio. Donc, d'abord, je mets... Et alors là, c'est vraiment, je la finis. Voilà. Une petite noisette de crème. Le matin, je mets... Il faut que je remette mes lunettes, sinon je suis incapable de vous lire. Donc, le matin, je mets... l'huile bleue, Rendez-vous Nature, c'est un sérum visage contour des yeux qui détoxifie, régénère et défatigue pour tout type de peau. Donc c'est un petit sérum que je mets, que je mélange avec ma petite crème anti-âge. J'en mets un, deux, hop.
le contour, le cou, et forcément derrière, ma Nivea Soft, en bonne couche, vu le froid. Hop. Et on y va. Mmh. Oh, c'est trop bon ça. Pouf. On n'oublie pas le cou, les amis. On n'oublie pas le cou et le décolleté. Et voilà pour le crémage du visage. Je vais tester une petite crème unifiante, la petite crème unifiante de chez Nuxe que j'ai eue hier. Une crème gel multicorrection. Je me dis que je vais l'essayer. Allez. On va faire ça. On va mettre 3 tonnes. J'ai mis une petite noisette. Mmh, l'odeur. L'odeur des produits Nuxe. Et celle-là est très douce. Ah, oh, j'adore. Voilà. On va multicorriger mon visage. Je rince mes petites mines. Je vais nettoyer mes lunettes. Donc, lunettes. Enfin, je vois clair. Donc, je vais m'occuper de mes cheveux maintenant. Jolie coupe pour mes cheveux. En fait, j'alterne, c'est-à-dire que aujourd'hui je vais mettre mon démêlant sans rinçage, le petit olivier, soin nutrition, huile d'olive, karité, argan. Il est très bien, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Aujourd'hui, je vais mettre ça. Et quand la prochaine fois où je vais me laver les cheveux, je vais me mettre une goutte de Luxe Oil. Qui vient de chez mon coiffeur, de chez Vela, avec 2 petites pompes d'aloe, et ça dans mes cheveux, et après je démêle, je sèche, je tente de coiffer ou pas. Voilà, maintenant on va faire le petit démêlant aujourd'hui. Vous n'allez pas voir grand chose, mais voilà, pas besoin d'en mettre 3 tonnes vu la longueur de mes cheveux. Et on démêle. Je vais tenter aujourd'hui un brushing. Oh là là. J'ai déjà mal au bras rien qu'à l'idée d'y penser, moi. En sachant que ça va pas brushinger grand chose parce qu'ils sont trop longs et qu'il n'y a plus rien qui tient. Voilà. Brosse, sèche-cheveux. En ouaille. Tili, titi, titi. Je vais nettoyer du coup mon petit lavabo et tout ça, et je vous reprends après. Toilette finie, avant d'aller me poser un petit peu, faut que je fasse de la compote.
la compote est belle. On va laisser refroidir. Je vais fermer. Et on en a pour 2 jours. À peine. Hey, je vous reprends. Il est 14h05. Je vais faire du strike. 14h50. J'ai fait une sieste. J'ai réussi à dormir, mais je suis tellement fatiguée que ça me surprend pas. Mais j'ai eu froid. Oula, attention, c'est le parfum de la cicinette qui passe. J'ai eu froid, mais même chez moi, j'étais gelée. Là, je suis bien emmitouflée. Donc, j'avais un colis du Schtroumpf Amazon là, à retourner. Qu'est-ce qu'il me fout ? J'avais... fallait que je passe au Leclerc Rapidos parce que sur mon drive, j'avais oublié des trucs. Ah, voilà. Et puis, il n'y avait pas la bouffe... les boîtes de pâté pour chien, donc que je passe par là, ça faisait longtemps. Donc voilà, donc je suis passée à Leclerc et là je vais descendre tranquillement au Leclerc Drive et après aller à mon rendez-vous au centre anti-douleur. Ça fait plus d'un an, presque 2 ans, mais j'ai pas vu le médecin. Oui, je mange parce que j'ai pas mangé ce midi, j'ai fait ma sieste, je me suis réveillée, je suis partie. Un petit gelé aux pommes. Bon, moustache à béni au chocolat, c'est ce que je me dis. Même si c'est pas le meilleur. Bon. Donc, je vais faire ça. Ensuite, une fois que j'ai fini mon rendez-vous au centre anti-douleur, et ben, je rentre à la maison. Je vide les courses, je les range et après je vais voir mon kéri. Donc ben, je vous emmène avec moi, on piapiètera et puis voilà quoi. Bon, je vous reprends une heure plus tard, enfin un peu plus, une heure et demie plus tard, je ressors, je rentre à la maison pour ranger mes courses. Je suis claquée, vannée, je n'en peux plus pour changer. Il y a du bon, il y a du pas bon. Alors le bon côté du truc, c'est que terminato la kétamine, parce que pour elle, l'objectif de base pour la médecin du centre antidouleur, c'était que j'arrête la morphine, sauf que c'est impossible. Je suis descendue déjà pas mal et on a fait plein de choses avec mon médecin, mais descendre plus bas en fait, c'est me faire me dégrader et là on arrête la morphine, je ne sors plus de mon lit. Donc on évite. Mais pour elle, elle me dit, si en plus la kétamine vous fait effet là que 15 jours, sachant qu'en hiver ça me fait pas effet des caisses, bon ben, on a dit on arrête. Ce qui m'arrange en soi parce que ça fait encore de la chimie en moins dans mon corps, des traitements très très violents et très forts puisque la kétamine ce n'est pas rien. Donc ça me fait ça en moins, ok. Bon, par contre, à côté, comme MD, on reste disponible pour vous, etc. Mais c'est mon médecin qui gère, en sachant que le spécialiste qui me suivait a pris sa retraite. Bon, je vais quand même appeler pour savoir si quelqu'un a pris sa relève, mais j'ai des doutes. Donc, ça veut dire plus de spécialistes. Et ça veut dire qu'au final, bah, le centre antidouleur, c'est vraiment s'il y a un souci, s'il y a quelque chose, mais plus de centre antidouleur, quoi, en soi. Bah, j'ai plus que mon médecin généraliste, c'est-à-dire je cumule les pathologies de merde. Et j'ai plus que mon médecin qui me suit ici, mon médecin, l'hémato, le cardio. De ce côté-là, oui, mais pour le CED, j'ai plus personne. Voilà, c'était la nouvelle du jour. Ça va faire du pital en moins, mais je me sens un petit peu abandonnée de ce côté-là. Mais c'est pas grave, hein, je vais faire comme d'hab. On va faire comme d'hab avec mon médecin et mon kiné d'ailleurs. Et puis on va se débrouiller tous les trois. Faites-vous. Franchement, on avait un système de santé et on a un système de santé, franchement, qui est plutôt bien comparé à beaucoup d'autres pays. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, entre l'hôpital qui est complètement déglingué, les spécialistes qui s'en vont, les recrutements fac de médecine où ça devient du n'importe quoi. Il nous manque une telle quantité de spécialistes qu'aujourd'hui se faire soigner ça devient très compliqué et je pense que même en plus au vu des tarifs bientôt il n'y a que les riches qui pourront se faire soigner. Voilà,
Donc bon, ben c'est tout. Bon, ben ce matin, c'est jus d'orange frais que je vais presser. Bon, il est 18h. Clairement, je n'ai pas foutu grand-chose de ma journée. Je suis très fatiguée et très douloureuse. Excusez-moi, j'ai fait un petit peu de bruit. Donc, j'ai réellement pas fait grand-chose. Pour ce soir, donc, je mange toute seule puisque mon schtroumpf va avoir sa chérie. Je crois que j'ai mis mon pyjama dans le mauvais sens. Un petit peu de soupe. Je vais regarder ce que j'ai à manger à côté. Je vais manger tranquillement devant la télé. J'ouvrirai le calendrier de l'Avent d'hier et d'aujourd'hui puisque j'ai oublié hier. Et on va déjà faire ça. Déjà, je me prépare un petit peu à manger. Bon, bah du coup, voilà, petit plateau télé, j'ai mes médicaments, bol de soupe de cresson, quelques tuiles au paprika sans gluten. Et après, j'ai de la compote, des clémentines, bref, j'ai de quoi faire, ce sera déjà pas mal. Donc, je vais commencer par ça. Et forcément, il y en a un qui n'est jamais loin. Voilà, ma soupe est mangée, donc je m'attaque à la compote de pommes. Bon, j'ai mangeouillé, enfin j'ai mangé un petit peu, ça va. Je vais m'occuper du calendrier de l'Avent. J'ouvre, j'ai deux cases à ouvrir, donc puisqu'hier j'ai zappé. Hier, j'ai eu la crème fraîche de beauté, crème hydratante 48 heures. Donc j'ai eu celle-ci. Et aujourd'hui, j'ai crème fraîche de beauté, crème repulpante hydratante 48 heures. Non, ce ne sont pas les mêmes. J'en ai une, c'est juste une hydratante. Et l'autre, c'est une hydratante repulpante. On va repulper. Ça ne va pas mieux. Pour ce soir et pour ce vlogmas, là, je vais m'arrêter là. Et ce sera une nouvelle journée demain qui partira. Je vais poster hier et aujourd'hui, demain, et ainsi de suite. Vous verrez, vous n'avez qu'à suivre. C'est tout. Donc, je vous dis à très vite. Au revoir.